on vit à fond. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. C'est encore plus excitant d'être donc dans ce lieu emblématique, le Stade Olympique de Berlin. Au micro, le meilleur duo depuis Dimitrios Papadopoulos et Kostas Katsouranis, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Avec une rencontre qui nous promet un match de haute qualité, la France face à l'Angleterre. Et oui, on est là pour semer le football. Allez, devant le but, il faut frapper. Ballon contré, mais ça revient. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford. John Stones avec Joe Gomez en défense centrale. Phil Foden sera avec Saka sur les ailes. Et enfin, Harry Kane en pointe. La récupération haute, le pressing est payant. Et on lève la tête, là peut-être un centre. Attention à cette action. Et c'est sur le montant, ça joue. C'était l'occasion de prendre l'avantage. Mais les mystères de la nature, la cage se rétrécit. Ouais, c'est dommage pour cette occasion qui a fini sur le montant. Tout est à refaire maintenant. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Foden. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. Oui, il s'est bien joué, le danger est éloigné. Oui, bien fait, il est passé. Phil Foden. Ah, il y a une position de hors-jeu sifflée par l'arbitre. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. On connaît sa facilité à déborder ses adversaires en vitesse. Si tu lui laisses 50 cm, 1 mètre, impossible à rattraper. C'est une comète qui s'envole. Intervention défensive, le ballon en touche. Ousmane Dembélé. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Kane. Interception réussie, ballon récupéré. Griezmann. Bien fait, quelle ouverture! Oui, bien fait, c'est pour Dembélé. Le premier but dans cette rencontre avec Ousmane Dembélé. L'engagement est donné par l'Angleterre, il faut réagir après ce but encaissé. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Le ballon pour Jude Bellingham. Ballon pour égaliser. Et oui, le nouveau but. Pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité. Tout est à refaire. Phil Foden, il a du champ là dans le couloir. Intervention pour stopper l'attaque. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Le ballon pour Théo Hernandez. Alexander Arnold pour l'interception. Et ici l'occasion pour mener.
brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Saka. Et ballon dans l'espace. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match, son doublé. Il est intenable, insaisissable. Upamecano. En direction de Griezmann. Olivier Giroud. Et l'équipe de France qui progresse. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Mbappé peut-être pour reprendre. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Oh, la bonne position. Alexander Arnold avec le ballon. Ah, le ballon est intercepté in extremis. Magnifique. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. Bukayo Saka sur l'aile, il a de l'espace. Attention, la frappe peut-être. Foden. Goal! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Ousmane Dembélé. Le ballon sort en touche. Antoine Griezmann à la réception. Ballon pour Ousmane Dembélé. Le ballon sur Aurélien Tchouaméni. Centre vers Mbappé. Le ballon est dégagé. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et prestation. Et c'est parti le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donnée par les Français. Ouais, la transversale pour changer de côté. Ballon pour Antoine Griezmann. C'est un ballon perdu. Et ça joue sur Harry Kane. Et Bellingham, il peut frapper. Goal, goal, goal.
Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Une possibilité là pour centrer. Kane. Le ballon vers Bellingham. Alexander Arnold avec le ballon. Bam, la frappe. Et la bonne parade du gardien. Et c'est pour Alexander Arnold. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Et non, ballon perdu. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Angleterre. Là, toujours en possession du ballon. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Le ballon en touche. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Et c'est Joe Gomez qui a le ballon. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Et attention là, Harry Kane. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Griezmann. Ouais, c'est très bien défendu. Walker en possession du ballon. Avec Saka. Et ce ballon pour Kyle Walker. Ballon pour Alexander Arnold. Et c'est contré par Kanté. Ah, bien défendu, Upamecano. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp adverse. Et super arrêt, le danger était réel. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Les 20 dernières minutes de la rencontre. La faute est sifflée, logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Ah non, c'est une balle perdue là par Kane. Une grosse pression sur le porteur, très bon ballon intercepté. Et quelle efficacité, quel sens du but, voilà, un troisième but d'avance. Mike Maignan. Et ça joue vers Jules Koundé. Dembélé. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et oui, avec Mbappé. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Le ballon vers Joe Gomez. Ballon pour Kane. Dans la surface, Bukayo Saka. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Et c'est pour N'Golo Kanté. Et ça sort en touche pour la France. Et Coman reçoit le ballon. Et bien placé Dembélé,
Quelle intervention, elle est hyper importante. Kane. Olé, le bon mouvement. Bien joué, voilà, la deuxième tentative est la bonne. Ah non, complètement raté l'intervention. Super pressing et la récupération très haute. Pa, 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 pa. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Ouais, la bonne intervention, touche. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Tchouaméni, la frappe. Bien défendu, mais le ballon revient. Le ballon capté sans problème. Ah non, Dembélé là qui perd la balle. Ouais, facile, ça passe. En bonne position, Harry Kane. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Ouais, c'est un score sans appel avec ce nouveau but. Mbappé. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et voilà, c'est terminé, la fin du temps réglementaire et donc l'équipe de France s'incline. Oui, il y a des défaites très douloureuses et difficiles à oublier. Celles-ci ont... ...pendant tout le match, une prestation incroyable. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence, le public est en extase, triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal.
Voilà, c'est le moment qu'on attend tous. Annulez vos rendez-vous. Nous sommes ravis de vous retrouver ici. C'est encore plus excitant d'être donc dans ce lieu emblématique, le Stade Olympique de Berlin. Ici est donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. Quand on aime le foot, on n'a pas le choix. Il faut voir ce choc. La France face à l'Angleterre. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir. C'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan, Benjamin Pavard avec William Saliba au centre de la défense. Aurélien Tchouaméni sera associé à N'Golo Kanté au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. L'équipe dans le même 4-2-3-1 que les adversaires. L'animation de ce milieu de terrain surchargé. C'est ça la clé de cette confrontation. Attention là, Harry Kane. Tchouaméni. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Tu lui donnes le ballon et c'est comme si tu le mettais dans un coffre-fort. Aucun geste de précipitation. Toujours cette capacité à dribbler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier l'adversaire. Tête complètement ratée, ça passe loin du cadre. Kylian Mbappé. Kolo Muani hérite du ballon. Attention là, Kolo Muani. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. L'engagement est donné par l'Angleterre. Il faut réagir après ce but encaissé. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Un ballon récupéré. Bukayo Saka. Oh, l'égalisation peut-être. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Jules Koundé. La préparation pour Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann à la réception. Attention à Kolo Muani. Pas de but sur cette énorme occasion. Et toujours un seul but d'écart entre les deux formations. Il va falloir penser à se mettre rapidement à l'abri. Le ballon pour Jude Bellingham. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Yeah! C'est un artiste, c'est un talent, c'est un but de Mr. Phil Foden. Le geste juste, le geste pur, l'instant des vérités. Foden, c'est un mystère de la nature. Kolo Muani à la réception. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Gomez. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et ici l'occasion pour mener. Ballon sur le poteau, ça continue. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir. Et le montant, il gâche tout. Ouais, c'est dommage pour cette occasion qui a fini sur le montant. Tout est à refaire maintenant. Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Joe Gomez. Dembélé. Ballon récupéré par l'Angleterre. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception.
Bellingham. Bellingham à la réception. Grosse occasion là. Et c'est le but. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. N'Golo Kanté. Ah, il se défait là de l'adversaire direct. Et Dembélé peut-être sur ce ballon. Intervention et donc danger écarté. Ouais, la bonne passe dans la profondeur. Et ce ballon pour Kyle Walker. En retrait dans la surface. Et oui, but! Encore un! Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Griezmann. Alexander Arnold remporte ce duel. La première mi-temps qui est presque terminée et la France qui affiche un gros déficit au tableau d'affichage. La situation n'est pas désespérée. La première mi-temps n'est pas très bonne, mais rien n'est grave. La priorité, c'est de reprendre l'initiative dans le jeu. Tout le monde doit se... Oh, il tente un retourné, belle tentative, dommage. Il est presque fait un petit bisou au poteau. Il passe en très près, pas loin du tout. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Et ça joue sur Saka. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant. Et c'est reparti, la deuxième mi-temps, donc le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Il y a du soutien là pour attaquer avec Kylian Mbappé. Ça passe pas loin du tout. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Récupération du ballon. Ah, bien joué dans la profondeur. Ouais, superbe défense. Ouais, bonne intervention là. Ça va. Et ça joue vers Jules Koundé. Benjamin Pavard. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Phil Foden gagne du terrain. Bellingham à la réception. Attention là, Harry Kane. Oh oui, but! Et c'est le doublé! Quelle classe! Quelle réussite! On récapitule, ça fait donc 4-1. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, y a du monde là, quelques possibilités. Phil Foden. Avec Joe Gomez. Ça part vers Bellingham. Bon retour là pour couper cette offensive. Ah, y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ousmane Dembélé avec le ballon. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu.
N'Golo Kouani. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Ouais, le ballon en cloche par-dessus. C'est bien joué. Ah, dommage, ça partait bien. Mais le ballon change de camp. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Pressing haut sur le terrain. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Kolo Muani à la réception. Ah, la perte de balle. Joe Gomez. Phil Foden reçoit le ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Kolo Muani. Le ballon vers Bellingham. Et le ballon change de camp. Ballon pour Antoine Griezmann. Foden. Et c'est pour Phil Foden. Et le centre en retrait dans la surface. Et c'est contré par Saliba. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention! Ah, et ça passe largement au-dessus de tout le monde, malheureusement. Alexander Arnold avec le ballon. Oh, c'est contré! Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Et un arrêt qui fait du bien. Voilà, on approche là de la fin de cette rencontre. La France. Est en grande difficulté. L'équipe a mis les chaussettes à l'envers ce matin. Attention à ce que les regrets et les doutes ne deviennent pas des certitudes. L'arbitre laisse l'avantage. Ouh, il y a danger là. Ah, le bon réflexe là. Et encore une bonne intervention du gardien. Et c'est donc une touche pour les Bleus. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et il remporte son duel, bien défendu. Ouais, la vista avec cette passe. Et le hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre pour pas grand-chose. C'était limite, limite, mais c'est bien hors-jeu. Bukayo Saka. Il y a du soutien en attaque. Un centre en retrait dans la surface. Et la parade, dingue! Quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe! À bout portant, c'est exceptionnel! Attention, grosse occasion! Lourde frappe et ça frôle le dessus de la barre! Oui! Sans commettre de faute. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. C'est terminé, la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Avec donc une désillusion pour la France. C'est une défaite pour les Bleus. C'est une défaite sur...